Bonjour tout le monde, bon début de journée. On fait notre échauffement avec Cindy et Jean. Vous êtes prêts, les amis? On est tellement en train de marcher sur place. L'échauffement est essentiel, vous le savez, parce que vous allez travailler fort en musculation des épaules, des bras, musculation des abdominaux, des cuisses, des fesses. Donc, on veut tout préparer ça. C'est vraiment la bonne façon de faire. Donc, on marche sur place. On va garder cette marche et on va faire ouvre et ferme. Vous êtes prêts? On y va maintenant. On ouvre et on ferme. Donc, c'est vous qui allez ajuster, vous le savez. Vous me connaissez peut-être. J'aime beaucoup que vous ayez plusieurs alternatives. Avec Jean, vous aurez toujours une alternative un petit peu plus, disons, intense. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus en forme nécessairement, mais il y a des jours où on a envie de pousser plus. Et avec Cindy, vous allez avoir une version un peu plus accessible, OK? Dans deux, on va faire des talons aux fesses ou des leg curls. Vous êtes prêts? On reste sur place. Tire avec les bras, puis en même temps, bien, évidemment, ça nous permet d'échauffer les épaules. On peut faire ça très petit. On peut faire ça très petit. Si je ne voulais pas impliquer les bras, je pourrais carrément avoir les mains sur les hanches. Surtout au début, hein, au début de l'échauffement. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu tires avec tes bras et tu tires ton talon sur la fesse. Et tantôt, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va le tourner en quart de tour. On essaye, Jean, OK? On tourne. Et si vous préférez ne pas faire le quart de tour, eh bien, vous allez suivre Cindy. Donc, on s'en va de côté comme ça, tout simplement. C'est comme si je voulais aller voir ce qui se passe à côté, mais je change d'idée. On s'en va surveiller Cindy. Coucou! Step touch encore, encore, pardon. Leg curl derrière. Hop, hop! C'est bon. Côté. Jean va reprendre la marche. Cindy, on reprend la marche ici. Ouvre et ferme. Descends dans les jambes. Yay! Descends dans les jambes. Talons aux fesses maintenant. Hop, hop, hop. Encore quatre. On va rajouter un élément. 4-3. On va faire des glissades. Des glissades, c'est comme un step touch, mais je veux que tu ailles plus dans tes cuisses. Et si tu peux, tu vas te propulser juste un peu pour vraiment faire grimper tes fréquences cardiaques. C'est bon? On va faire un repeater ici. Repeater. Trois genoux. Marcher et faire ça de l'autre côté. Trois genoux. Deux. Un, de l'autre côté. Un, deux, trois, de l'autre côté. Un, deux, trois. Et une dernière fois parce qu'on va marcher avec la jambe gauche. Attends-moi ici. C'est bon ça, tout le monde? Du début, on ouvre et on ferme. On va faire un peu moins de répétitions. Ouvre, ouvre. Encore deux autres ici. Ouvre. Et talons aux fesses, combien de fois? 8 fois. Avec ou sans le quart de tour. 4 autres. Vous êtes bons. Glissade, on recule un peu. 4, 3, 2, repeater. 3 genoux, 2, 3, et attends-moi ici, on marche. Est-ce que tout ça, ça va? On va l'assembler comme il faut. Moins de répétition. On ouvre et on ferme 2 fois. 1, et talons aux fesses. 4 fois, c'est 1, 2, 3, on recule pour 4, 3, 2, 3 fois le même genou. Et reviens. Marche à gauche. 2 fois. Talons aux fesses pour 4. C'est 1 et 2. Et on recule avec les glissades. Pousse. 2, 3. 3 fois le même genou. Super beau. Refais ça, OK? Regarde, si tu veux, tu peux accélérer ici. Out, in, out, in. Talons aux fesses. Comment ça va? Ouais. Recule. 4. Pousse. Dans tes jambes. Dans tes jambes. 3 fois le même genou. 2, 3. Merveilleux à gauche. Wouh! Et talons aux fesses. 4, 3, 2. Recule. 4, 3, 2. 3 fois le même genou. Est-ce qu'on peut le refaire? Okay. Ben oui. On ouvre. Go. 1. Encore une petite minute à peine d'échauffement. 4, 3, 2. Reculez, reculez. Pousse. 4, 3, 2. 3 genoux. Hop! Et à gauche, marchez, ouvre. Et ouvre. Ouh! Talons, fesses. 2, 3. Et reculez. 4, 3, 2. 3 fois le même genou. J'aimerais ça le refaire. On le refait. Cindy est d'accord. Ah, plus vite, plus vite. Go. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Talons aux fesses. 2, 3. Et on recule. 4. Pousse, pousse. Ça devient presque cardio, oui. 2, 3. Et 1. Je pensais, Jean, que tu avais dit parle pour toi. Et...
Attention, on est presque au bout de tout ça. Recule. 4, 3, 2, et 3, 2, et marchez. Reste ici. Inspire. Et en bas. Encore. Hop. Vous êtes bon. J'espère que vous êtes contents parce qu'on s'attaque à la musculation. Quelques petites secondes. Préparez-vous. Petite bouteille d'eau. Peut-être des petits haltères pas loin. Un tapis pour être confortable au sol. Merci. Avouez que vous êtes prêts à travailler les muscles des jambes. Cindy, Jean, vous êtes prêts? On va faire des fentes, mais regarde, des petites fentes de côté. OK? Juste comme ça. Fente de côté. Ça ressemble à un squat, mais je veux vraiment que tu descendes. 3, 2, 1. Reviens au centre. Et 3. Descends dans ta jambe. Et rappelez-vous toujours que Cindy est là pour vous, pour une alternative un peu plus accessible. Parce qu'il y a des jours comme ça. Même chose. 3, en bas. Descends dans tes jambes. Avance tes épaules. 3. Et t'es pas obligé non plus d'avoir une position impeccable. T'es pas une danseuse de ballet, hein? Ou danseur. Et reviens. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave si ma jambe ici est un peu pliée. Mais mon poids est dans ma jambe de côté. En bas. 2, 3. Excellent. Essaye d'aller un petit peu plus profondément. 3. Et on va essayer 1, 1. Êtes-vous prêts? Donc, c'est parti. Un de chaque côté. 1. Reviens. Donc, ça va plus vite, évidemment. Tombe dans ta jambe en avançant les épaules. Ouais. Encore 4. 3. 2. Et reste au centre maintenant. Relâche un petit peu. On va faire la même chose. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir de côté. On va rester là et on va tirer celle-là. Donc, on ouvre de côté et tire celle-là lentement. 1, 2, 3, 4. Ah, deux. On va rester en bas pour 3. 1, 2, 3, tire à 4. Ramène bien les hanches en dessous. Regarde comment mes hanches reviennent. Clique ici. 1, avance les épaules. 2, 3, ramène les hanches. Ramène les épaules aussi. Oui! Et on rajoute un élément, si vous voulez. On va rajouter un genou up avec tes abdos. Tire le genou. Chat. Et 1. Comment ça va, Cindy? Chat. Encore. 1. 2, 3. Essaye d'aller voir si tu peux pas aller un peu plus loin. 2, 3, hop. 1, 3, encore en bas. 1, 2, 3, hop. Est-ce qu'on essaye 1, 1? Attention, c'est parti. En bas, chop. Côté, boum. Côté, boum. Côté, 4 encore et c'est tout. En bas, 4. Descends vraiment, tombe dans ta jambe. Tombe dans ta fesse, deux autres, un dernier, et on relâche. Excellent. C'est beau, ça, hein? Good. On s'en va faire quelque chose de semblable. On s'en va dans les cuisses. Encore une fois, là, je vais vous demander d'allonger les bras, de monter sur le bout des pieds et de descendre. Alors, je teste vos stabilisateurs aussi. Regarde, ça se peut que mes talons déposent. C'est correct, je veux que tu travailles ton équilibre. Mais je voudrais aussi que tu descendes dans tes cuisses. Et tu remontes. OK? On va l'essayer ensemble. Cindy, tu nous fais une version un peu plus. Hop! Monte. Descends, descends. Serre les abdos. Regarde droit devant, ça va vous aider. Restez là, restez là. Descends encore un peu. Si tu as besoin de déposer les talons, c'est parfait. Et remonte. Relâche. On fait ça encore. Devant. Talons. Hop! Focus, focus, focus. Descends, descends. Garde le dos droit. Avouez que vous avez envie d'avancer vos épaules. Garde les épaules en arrière. Descends, descends, descends. Ouh! Et relâche. Comment ça va? Une autre fois? Attention, c'est parti. Hop! Talon. Et on descend, 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 descend. Descends, focus, focus. Va voir où tu es confortable dans l'effort, évidemment. Et relâche. J'aimerais ça le faire une dernière fois. Prêt? C'est parti. On y va. Hop! Talon. Descend. Descends et je vous garde ici jusqu'à la fin de la capsule. Restez là, restez là. Souriez, vous faites du super beau travail. Restez, restez. Bye tout le monde.
Avec les haltères, on va travailler les membres supérieurs. Vous aimez ça, vous m'en demandez, on vous en donne. On va faire biceps, extension au-dessus de la tête avec un squat, reviens et descends. Et c'est parti, biceps et squat avec extension au-dessus de la tête, reviens. Et vous pensez à vos abdos là-dedans, biceps et abdos, squat, 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 reviens. Et retourne en place. Même chose, biceps et squat. Bien, bien contrôlé. Vous devinez évidemment que Cindy fait le même mouvement, mais avec une charge moins élevée. C'est souvent avec les haltères que vous allez choisir que ça va faire une grosse différence, bien entendu. Et Jean, tu es allé un peu plus loin, hein? Et même ton squat est plus profond, non? Encore, hop! Deux, pouce! Rappelez-vous que dans le squat, mes hanches vont vers l'arrière. Go, un, deux, pouce en arrière, avance les épaules. Le poids est sur les talons le plus possible. On va en faire un autre, hein? Deux, pouce, hop! Et, est-ce qu'on s'en fait deux pour la chance? Deux, pouce, hop! Et ramène vos épaules, allonge et un petit dernier. Tire un, deux, pousse un, deux, reviens un, deux et déroule. Merveilleux. Avec le pied droit en avant, un seul haltère, je vous propose. Vous pouvez garder l'autre en main si vous voulez. Et ce que ça va donner, c'est tire un, deux, extension au coude et reviens en arc de cercle. Encore un, deux, allonge, hop. Deux, reviens, contrôle, 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 contrôle. Oh, encore. Un, deux, extension, on sort bien, bien, bien. Un, deux, trois, wouh, tire. Un, deux, extension au coude, triceps, triceps. Ouvre, ouvre, ouvre. J'aimerais ça qu'on change de côté, on y va tout de suite. Tire. Un, deux, extension au coude, arc de cercle. J'ai pas dit arc, j'ai dit arc de cercle. Et allonge, ouvre, contrôle, contrôle, garde les épaules basses. Même chose, un, ça c'est mon troisième, hein, Jean? Hop, ouvre, deux, et on va faire un autre, OK? Tire, un, deux, allonge, deux, ouvre, un, deux, trois, on retourne de l'autre côté tout de suite. Allonge, hop, deux, reviens lentement, contrôle. Si vous ressentez le besoin de déposer un haltère et de continuer sans charge, c'est parfait. Moi, j'aime ça quand vous vous ajustez. Encore deux de ce côté-là, hop, deux. Pensez à vos abdos, belle, belle posture, les épaules basses, beaucoup de contrôle. Encore un, deux, pousse, ouvre. Ça, c'est le quatrième. Ça va de l'autre côté, tire, un, deux, allonge. Ouvrez, reviens, contrôle, contrôle, contrôle. Oui! Même chose, tire, un, deux, allonge. Et tu pourrais continuer sans haltère, Cindy, si tu voulais. Encore, tire, un, deux, hop, yeah, hop. Et un dernier, et on va travailler avec les deux haltères devant nous tout de suite après. Reviens, hop, hop, hop. On les amène ici, on va monter en deux temps. Descends deux temps. Dos très, très droit, belle posture. Tout, tout simple comme mouvement, on va plus vite. Hop, et en bas. Hop, et en bas. Hop, et en bas. Encore. Quatre, pour être sûr. Quatre. Je vous laisse aller après. Dans trois. Dans deux. Un dernier. Et c'est tout. C'est tout. Bravo. On s'en va travailler les abdominaux dans des exercices un peu plus traditionnels, mais que vous aimez. On est sur les fessiers, les pieds bien plantés au sol, bras croisés ici. On va juste reculer en deux temps. Recule un, deux, allonge les bras, ferme les bras et remonte. Et on va y aller plus vite. Prêt? Recule, allonge, croise et reviens. Recule. Est-ce que ça va comme ça? Ouais. Ouh! Et c'est vous, évidemment, qui allez déterminer l'amplitude de ce mouvement-là.
Si je suis plus fatiguée, ben, je vais aller moins loin. Je vais juste reculer un petit peu. Comme là. Et oui, en allant avec les bras en haut, évidemment, le travail est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Et en gardant les bras croisés ici, je suis plus en contrôle, hein, Cindy? Un, deux, trois. Est-ce qu'il vous en reste encore un peu? Un, deux, trois, et reviens. Un, deux, trois, et reviens. Un, deux, trois, un dernier, parce que j'aimerais le faire plus lent. Dernière fois plus lent, comme au début, en arrière. Deux, contrôle, gainage, 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 reviens. Et reviens au centre. En arrière. Allô, avec le sourire, Jean Hébert. Hey, est-ce qu'il vous en resterait deux? Oui, en arrière. Tant qu'à s'être déplacé. Hey. Un dernier. En reculant. Allonge. Croisé. Et reviens au centre. Merveilleux. Ça, c'est beau, ça. On s'en va sur le dos, mais pas en vacances. Main à la nuque. On lève les pieds. Hop. Genoux fléchis. Et on va faire les classiques ciseaux. Un, deux, trois. On tient à trois. Même chose. Un, deux, trois. Bien. Alors, il y a trois versions. OK. Donc, la première version, je vous la démontre. C'est en touchant au sol à chaque fois. Trois. Touche. Un, touche. Deux, touche. Trois. Cindy, c'est la version que tu vas garder. Touche. Deux. Deuxième alternative, je ne touche pas au sol, mais j'ai vraiment les genoux pliés. Deux, trois, et un, deux, trois. C'est beau. Est-ce que vous respirez là-dedans? Deux, bien sûr, vous ne tirez pas sur la tête. Un, deux, et la troisième version, l'alternative plus avancée, c'est en allongeant la jambe, tire. Un, deux, trois. C'est difficile. Vous avez le droit de faire une pause, évidemment. Chut! Mais pas vous ici. Deux, trois. Encore. Tire. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. Allez, allez, on continue. On a encore un petit 45 secondes. Est-ce que vous l'avez? Hein? C'est quoi l'expression, Jean? Dig deep. Allez, un. Va chercher tout ce qui te reste. Et un, deux, oublie pas, tu peux revenir à la version touche au sol, touche au sol, touche au sol. Et tu peux même relâcher. Un, deux, ici. Soufflez. Un, deux, trois. Et un, deux, trois. Oui. Dans deux. Attention, un dernier. Un, deux, et reste ici. Reste ici. Squeeze, 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 squeeze. Squeeze. Change de côté. Hop. Tiens la position. Tiens la position. Change encore. Un, deux, trois. Change. Un. Est-ce qu'il vous en reste deux? Non. Un, deux, trois. Allez-y, je vous regarde. Un, deux, trois. Et relâche. Grande inspiration. Bravo tout le monde. Bon travail. Prenez un moment pour vous étirer avec nous. Vous savez que c'est important, c'est même essentiel. Vous avez travaillé fort, les muscles ont besoin d'être allongés, ont besoin d'être détendus. On va justement allonger notre jambe droite, on va aller tirer nos ischios. Donc, à vous de voir, on va s'avancer sur la jambe. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller, mais je ne vous demande pas d'aller placer le nez sur la jambe. On veut juste s'avancer à partir des hanches avec un dos droit. Vous allez sentir l'étirement derrière la cuisse et peut-être même jusque dans la base des muscles fessiers. Regardez la position. Reste là encore quelques secondes. Et essayez d'apprendre à utiliser votre respiration parce que regardez bien, on va monter, on va inspirer. Et en expirant, on va pouvoir aller un peu plus loin parce qu'au moment de l'expiration, les muscles sont beaucoup plus détendus. Et on reste là. On essaie de garder ces quelques degrés supplémentaires. Et on déroule doucement.
Merveilleux. Cette jambe-là qui est pliée, on va la placer par-dessus, le plus près de nous possible. On va enrouler notre bras autour. On va penser à allonger le dos et on va faire une petite torsion sans trop forcer, juste confortable. Essaye d'aller regarder le plus loin possible derrière. Reviens vers l'avant, prends une grande inspiration. Expire et tourne. Torsion. Reste là. Bien. Super beau. Reviens au centre. Garde les jambes dans cette position-là. On va juste basculer vers l'arrière. Et là, on est dans les muscles fessiers. Alors, vous étiez peut-être ici. Pense à avancer les épaules. Et là, on va sentir l'étirement dans les muscles fessiers. Ça fait du bien. Forcez le pas. Laissez-le confortable. Et c'est avec un dos droit. C'est quand je vais avancer mes épaules avec le dos droit que je vais sentir l'étirement, oui. Restez là encore. Bien. Prêt? Et on va allonger la jambe gauche, votre jambe gauche. Même chose, allonge le torse. Et on descend. Reste ici. Relaxe la jambe. Inspire et monte. Expire et descend. Et garde la position. Restez là un petit peu encore. Bien. Remonte doucement. Et on va prendre cette jambe-là, on va la placer par-dessus. Enroule le bras autour du genou. Allonge le dos et pivote avec le tronc. Le dos très, très droit et regarde loin derrière. Bien. Inspire, reviens vers l'avant doucement. Expire et va un petit peu plus loin peut-être. Tire dans le genou vers l'épaule. Et reviens doucement au centre. C'est beau. Transfère le poids en arrière. Avance les épaules. Sans forcer. Relaxe bien la jambe qui est fléchie. On s'avance doucement. Et essaie-le. Teste-le. Va un peu en arrière et reviens vers l'avant. Avec le dos plat. Les épaules en avant. Super beau. Ça fait du bien dans les fessiers, hein? Quelques petites secondes encore. Et relâche doucement. On va croiser les jambes maintenant. On va terminer ici. Mais je veux aller dans vos épaules. Je veux aller dans l'angulaire, dans le trapèze. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber la tête à votre gauche. Et on va placer le bras droit dans le dos. Donc, en même temps, mon épaule est abaissée. Mon dos est très, très droit. Et vous allez sentir l'étirement sur le dessus de l'épaule. Puis fermez les yeux, essayez de relaxer en même temps, profitez du moment. Et relâche. Relâche tout. Relâche les épaules. Évidemment, on s'en va de l'autre côté. La tête à droite. La main dans le dos. Si la main n'est pas confortable dans le dos, je peux simplement allonger mon bras de côté. À vous de voir ce qui vous convient. Garde la tête de côté. Encore un peu. Restez là. Reviens au centre. Relâche les épaules. Et on va prendre la petite minute qui nous reste pour juste s'avancer, se laisser tomber vers l'avant. Laisse tomber la tête, laisse tomber les bras vers l'avant. J'espère que vous êtes très, très fiers de vous. Vous avez fait un super beau travail aujourd'hui. On se revoit très, très bientôt. Bye!